C'est au stade Tata Miguel de Kulamutu que les candidats du bac général ont ouvert les hostilités avec les épreuves pratiques du baccalauréat. Ce matin, nous avons lancé les épreuves pratiques du bac, bac général. Parce que le 8 mai, nous avons lancé le bac technologique. Aujourd'hui, nous lançons le bac général dans le centre de Jean Saïs Tata Miguel. Je précise que dans le Gouilolo, il y a une innovation à partir de cette année. C'est que nous avons désormais trois centres. Un centre à Kulamutu qui habite 5 journées, un autre centre à Lastourville qui habite 2 journées et un autre centre à Ibunji. Et un centre c'est Ibunji. Donc là-bas il y a 2 journées. Et là je précise que cette année nous avons reçu dans le bassin 5 nouveaux collègues qui sont venus renforcer l'équipe pédagogique du Gouilolo. Course d'endurance, de vitesse, saut en longueur, en hauteur, lancer du poids et la gymnastique pour les candidats. Tout se passe bien, elles ont le moral. Premièrement, nous avons commencé avec le saut en longueur. Ça s'est plutôt bien passé. Plus de peur que de mal. On continue avec la gymnastique. Par la grâce de Dieu, ça va aller. On a passé l'épreuve. Très bien terminé, sans pouvoir être essoufflé. Ça va. Il faut souligner qu'ils sont au total 139 candidats pour 10 membres du jury. Et au regard de premières performances, les candidats se sont bien préparés, les jurys sont à leur poste, une équipe médicale est présente, le temps est favorable, tout est réuni afin que les enfants obtiennent des meilleures notes.